Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau run, cette fois sur Resident Evil Director's Cut. Donc qu'est-ce que c'est que cette version Director's Cut? En gros, c'est une version agrémentée d'un mode arrangé qui augmente légèrement la difficulté, qui change des angles de vue et des trucs dans le genre quoi. Hein. Donc je n'ai jamais fait le jeu complètement, hein. À chaque fois j'utilise Chris et à chaque fois j'essaie de faire le plus malin et je me faisais bouffer. Donc cette fois je vais essayer le mode avancé en espérant que c'est pas trop difficile. Et je vais utiliser Jill, voilà, en espérant qu'elle soit que je sois plus à l'aise avec elle qu'avec Chris quoi. Hein. Allez, on est parti. Et on va regarder la longue scène cinématique. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle Chris, of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of their group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Ils se sont réfugiés dans cette maison où ils pensaient être à l'abri.
Pourtant... What is this? Wow, what a mansion! Oh, le costume que là. Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Albert Wesker, il est brun dans le jeu, je comprends pas. Alors que normalement, il est blond. Stay alert. Bon, allez, donc après cette magnifique intro, hein, fait avec des personnages réels, hein, qui est limite nanar, hein, si on regarde les scènes. Hein. Mais bon, c'est... Pour l'époque, je trouvais que c'était pas mal. Enfin, comme un de mes potes m'a dit, « Ouais, t'as vu, j'ai Resident Evil, Director's Cut, attention, hein, y a plein de scènes qui étaient censurées et tout, là, ils ont tout mis, hein. » J'étais bien content de voir ça, hein, même si ça me faisait peur. Hein. Alors, une photo d'un superbe paysage. Et là, on peut voir le magnifique nouveau costume de Jill. Hein. Normalement, elle a un costume qui est, comment dire, qui est, je sais pas, une sorte de képi et son costume de Stars, quoi. Hein. Et là, on dit que c'est qu'elle ressemble un petit peu à la Jill de Resident Evil 3, quoi. Hein. Bref, il fait sombre dehors et je ne peux pas voir loin. Ok. What is this? What is it? Blood. Du sang. Ah. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. J'aime bien comment il parle, Barry. Oh, blood, c'est du sang. Je n'ai jamais vu de ma vie. Barry enquête. Alors, quelle tâche est la plus grosse? Allez, je vais dire celle de gauche. Bref, allez, on continue. Bon, ici, je sais qu'il va y avoir un zombie. Et que ça sert à rien de le tuer, hein, parce que bon, j'ai certes pas fait la partie avec Jill, mais je suis déjà allé ici avec Chris, hein, donc... Ok, allez, on se casse. De toute façon, si on le tue... Il va quand même revenir après, donc... Barry? Il enquête, il regarde les murs. What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. Ok. Il a un magnum, il a fallu 3 balles pour le tuer. Ok. Is it? What is it? Quand il a dit. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Ouais. Et là, il va enquêter sur le zombie. Il va dire, c'est un zombie. Il y a un espace. Ouais, ça c'est le blason qu'il faut mettre dans le. Dessus, mais je sais plus comment on le reçoit. Bon, ça c'est l'horloge, hein. Une pendule poussiéreuse. Allez, on va rejoindre Wesker. Bon, les temps de chargement, ils ont été en fait camouflés par ces genres de passages, hein, dès qu'on voit la porte. Wesker! C'était assez ingénieux pour l'époque. Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Ok. On va voir comment il va chercher. Est-ce qu'il est là? Peut-être l'escalier? Ah non. C'est trop haut, j'arriverai pas à monter. Non, quoi d'autre? Ah merde, tu es déjà venu ici, non?
Ok, bon. C'est pas comme si Wesker risquait d'être au plafond. Hein. Bon, et s'il joue cette porte-là? Ah, ok. Il me semble que dans... Sortir est trop dangereux, tu l'as dit. Il me semble que dans Resident Evil Rebirth sur GameCube, le remake donc de ce Resident Evil-là, hein. Attendez, on peut bien voir Jill ici. Attendez. Ça va, hein, la classe. Hein. Enfin, elle est bien. Bref. Oui, dans Resident Evil Rebirth, si je me souviens bien. Ah, tiens. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me, too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't... Find anything, Jill? Oh, petit bug sonore. Cherchons-le chacun de notre côté, je vais de nouveau jeter un coup d'œil dans la salle à manger. D'accord, je vais de l'autre côté. Cette maison est immense. Et il va dans la salle à manger. Nous pourrions avoir des problèmes si nous nous perdions. Nous devrions commencer par le rez-de-chaussée, ok? Et... Jill, j'ai trouvé un passe-partout. Ça peut être utile. Toi, la reine des rocheteuses, prends-le. Non, c'est un petit bug de la ROM, hein. Now it's Wesker's time to disappear. I don't find anything, Jill. Ils attendent que le script se mette en route. What is this all about? Non, tu me donnes ce. Figure it out at all. Ce passe-partout. It's me too. Now it's Wesker's time to disappear. Thank you. I don't know what's. Thanks. Maybe I'll need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Ok. This time I'll be there. Pourquoi il dit ça? Cette fois je serai là. Il était là avant pour nous, donc je ne comprends pas. Bref, allez, l'aventure commence maintenant. Hein. Maintenant, on n'aura plus Barry pour nous sauver les fesses. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons là? On a un Rambo, un Ink Ribbon, le ruban. Pour sauvegarder, ok. Et ici, on a donc la machine à rire. Vous pouvez sauvegarder ici. Utiliser le ruban de machine, non. Voilà. Bref, donc, allez, on va avancer un petit peu. Il a dit qu'il fallait aller donc vers le, au niveau du hall. Hein. Je pense pas que je vais à la salle à manger, vu qu'il y était déjà. Donc, par élimination, je pense qu'il faut aller à droite, là, hein. On verra bien. Oui, donc, je disais par rapport à avant, dans Resident Evil Rebirth, si on ouvre la porte... Qui est, oui, on a vu le chien là qui est venu, mais ben, on ouvre, et là on n'a pas un chien qui vient et on refait la porte, non, là on ouvre, et il y a plein de chiens qui rentrent, et c'est quasiment game over, parce que pour les tuer au début du jeu, c'est hyper chaud, quoi. Ah tiens, il est bien l'angle de lui, là, je sais pas s'il était déjà à la base. Rien d'utile. Une belle peinture à huile. Ah, on a là... Femme puisant de l'eau. Je crois qu'il y a un truc dans sa cruche. Attendez. On va inspecter les lieux. Un tableau d'une falaise. Rien d'utile. Bon, je suppose qu'on peut pousser ça. Ouais. Un tout petit peu. Voilà. J'espère que je suis bon, hein. Je crois qu'il y a une map dedans. Hein. C'est un plan du rez-de-chaussée. Le prendre, oui. Vous avez le plan du rez-de-chaussée. Nickel. Bon, sinon, au niveau du menu, je vais vous le montrer. Hein. Donc, je commence la partie, enfin, je commence le jeu avec donc le couteau. Un magnifique couteau hein, qui nous servira pour achever des zombies si ça n'a plus de munitions. Je vais essayer d'utiliser le couteau le plus possible, hein, vu que j'ai tout en peur de ne pas avoir ces munitions. On a le Beretta. Donc c'est notre arme de base quoi, hein, magnifique arme. Voilà. On a donc le spray premier soin, bon ça j'ai pas besoin de vous montrer en 3D, et le ruban machine. Niveau dossier on a que dalle il me semble, hein, file 1, file 2 il y a que dalle. Et le plan, on a le plan de la maison, vu l'extérieur quoi.
Ah, on peut aussi avoir le plan comme ça. Ah, nickel. Donc nous, on est le... comment dire? On est dans la case rouge, et ce qui est vert, c'est le... c'est là où on a exploré, a priori. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Bon, maintenant, il y a un truc, là. Je suppose qu'on peut pousser. Voilà. Bon, dans Resident Evil Rebirth, ils voient aussi ça, je crois, hein, si je me souviens bien. Et à l'intérieur, il y avait un zombie. Mais je sais pas si ça va être le cas ici. Oh, il y a un cadavre par terre. Oh putain! Oh, enfoiré! Connard. Il est mort? On a un deuxième là. Oh putain, fais chier. Je vais prendre mon couteau. Ok, ça marche comme ça. Ok. Ok. Oh mais non! Je l'avais touché là! Foiré. Oh, on a joué au football avec sa tête. C'est non, vous avez vu, je l'avais touché là, et pourtant ça le faisait rien. Il fallait que je marche dessus sur lui et qu'il me bouffe un peu le pied. Bon, est-ce qu'il y a des trucs ici? Non, peut-être que je suis venu ici pour rien en plus. Wouah, je suis déjà. Regardez, je suis en attention déjà. Wouah, je me suis touché deux fois, c'est juste en me faisant bouffer le pied. Oh putain, je t'emmerde. Commence bien le jeu, hein. Y a rien d'autre a priori, hein. Donc j'ai fait tout ça pour rien en fait, que pour deux petits rubans la con. Aïe 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 aïe. Allez, on va aller là. Vous avez utilisé le passe-partout. Je me demande bien ce que c'est comme passe-partout. C'est peut-être une épingle à cheveux, je sais pas. Oh putain, non. Je crois qu'il y aurait les chiens ici, non? Je pense que tous ceux qui ont joué en jeu connaissent cette scène-là. Truc dégoûtant, ok. Mais même pas la peine de dire il y a des trucs dégoûtants, là c'est juste truc dégoûtant. Allez, on va prendre le flingue. Ah mais j'ai du soin aussi sur moi, je viens de voir à l'instant. Ok, cool. Bon. Je vais... Truc dégoûtant x2. Je vais foncer, en espérant que c'est pas ici la scène des chiens. Allez, on fonce. Et merde, putain, à chaque fois ça me fait peur ce truc-là. Allez, on se casse, on se casse, on se casse. Je le savais. Putain. Oh, une belle vue de Jill, là. Regarde. Bref. Putain, ils m'ont effrayé ces cons, là. Allez, on continue. C'est fermé. Une armure gravée, ok. Donc, ah tiens, il y a une herbe là, je crois. Yes. Prendre l'herbe verte, oui. C'est trop calme. Il n'y a plus de musique. Non, j'ai vu qu'il y a un truc qui... Oh putain! Ok. Il est rapide ce con, hein. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ok, j'ai pris un chargeur, donc je suppose que je peux le tuer. Putain, mais il est rapide! Putain, le pot que j'ai eu. Est-ce qu'il est mort? Non. Ok, c'est bon. Normalement, s'il y a du sang, il est mort. Je vois pas si... Ah, il y a du sang, là. Ok, c'est bon. En général, ils font du bruit, et là, rien, que dalle. J'ai juste vu dans le miroir qui était là. Enfin, dans le miroir, dans le... Dans les chiottes. Enfin, dans les WC, quoi. Dans la salle de bain, plutôt, voilà. Donc, a priori, il y a rien à faire, là. Ok. Ah bah, il était bien aux chiottes, c'est ce que je disais. Rien d'utile. Rien d'utile. Ok, je suis venu ici pour rien. Bon. Bon, moi, je me suis pas fait bouffer, hein. Il était... Je sais pas si vous avez vu, ses mains, il touchait mes épaules. Normalement, ça aurait été... Il aurait dû me bouffer.
Mais non, ils font du bruit, si je me souviens bien, ils font des sons quand ils sont là. Et là, il y avait rien du tout. Rien, rien, rien. Putain, je déteste ces angles comme ça. Ils vont mettre un gars, ça fait wouhou, ça fait comme la Mortal Kombat, vous savez, le Toasty. Sauf que là, ce sera un zombie, et pas un gars avec un t-shirt violet. Allez. Quelle porte, ok, on prend celle-là. Oula. Petit bug au niveau du jeu, je crois. Allez, on continue. Oh putain, non. Oh putain, une tapisserie. Putain, mais on commence le jeu, il y a déjà 3 zombies dans une salle, là. Et je sais même pas si j'aurai assez de munitions pour tous les tuer. Je crois qu'il faut que je les esquive. Hein. Rien d'utile, ok. Bon, comment je me dépêterai de ça? Est-ce que je tue les zombies? Qu'est-ce que je fais? Bon, vous savez quoi? Je vais tuer celui-là. Ou au moins qu'il tombe par terre. Et merde. Ah, lâche-moi, colère. Est-ce qu'il y a un truc intéressant? Oh putain, le shotgun. Je suis déjà en danger, putain. Prendre le fusil, oui. Et j'utilisais une herbe, je pense. Par contre, ça enclenche un mécanisme, mais ça me fait un peu peur. Une urne en... Ah bah tiens, maintenant j'ai un fusil à pompe. Vous allez manger, connard! Allez, venez, approchez-vous. Approchez-vous. Ok. Oh! Ok, ça c'est puissant. Je comprends pourquoi maintenant il y a 3 zombies. Par contre, il y a un mécanisme qui s'est mis en marche. Et ça me fait un peu peur. Une tapisserie, rien d'utile, ok. Ah, je me souvenais pas qu'on recevait le fusil à pompe aussi rapidement dans le jeu. Hein. Par contre, je pense qu'il va falloir le reposer. Il y a une histoire, je crois qu'un vieux fusil qu'il faut mettre, un truc rouillé. Sinon, ça va enclencher un piège, je crois. Et merde. Et merde, et voilà. Putain. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Ouais, bon, bah, je crois que c'est game over, hein. Peut-être que je repose le. Ouais. Hey, what's going on? À ton avis, quelle ruche. Jill? Is that you, Jill? Jill? Is that you, Jill? Oui, c'est moi. Jill? Oui, c'est moi. Is that you, Jill? Jill? Oui, c'est moi. Is that you, Jill? Jill? Is that you, Jill? Barry, help me, please. The door won't open. Quick! Stay away from the door, Jill. Ouais, dépêche-toi. Vite! Avance! Je pensais que c'était game over là, et a priori non. Oh Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? And Jill sandwich. Bon, c'est original, hein? Thank you, Barry. Yeah, yeah. Par contre, je sais pas si ça va avoir une importance de la suite du jeu maintenant. Comment ça fait? Jill, are you here, Jill?
C'est trop fort le bug là. Non, je pense que vous avez compris que c'était pas dans le jeu, hein. C'était un bug de la ROM, je suppose, ou de l'émulateur, faut voir. Bref, allez, on va checker par là, et je vais essayer de sauvegarder. Parce qu'on a enlevé tout aux 3 minutes, je pense. Hein. Oh putain. Qu'est-ce que je fais? On va le tuer. Oh putain! Wouah! Vous avez vu ça? Comment il va vite? Eh merde, ça l'a pas tué. Vous avez vu comment il va vite? Mais tu crèves, oui? D'accord, un troisième, putain. Mais non! Putain, mais ils vont trop vite, c'est fou ça! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il me reste plus que 11 balles, quoi. Allez. Oh, il a perdu son bras. Ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Putain, mais c'est pas possible qu'il y ait autant d'ennemis, c'est... Je crois que je vais pas faire long feu dans ce mode-là, hein. Je suis déjà en danger de nouveau. Vous l'avez déverrouillé. Ah, je crois qu'on se trouve dans le hall, là, non? Ouh, on a deux. D'où il sort, lui? C'est pas possible, quand je peux pas avancer, ici. Je crois pas que j'aurais dû commencer avec ce mode-là. Bon, ici, a priori... Je sais même pas où faut que j'aille, en fait. Je crois que c'est une mauvaise idée. Oh non, je suis dehors, je crois. Ok, on se casse. Je crois que j'ai entendu des chiens. J'ai entendu le tuk tuk tuk. Je crois que c'est des chiens, en fait. Putain. Mais la vitesse où ils sont allés, les zombies! Je crois que c'est ça, les hyper zombies, en fait. C'est un mode arrangé. Mais on m'avait dit qu'il y en avait juste un dans le jeu, donc je me suis dit, ah bah ça devrait aller. Et en fait, ben, a priori... Parce que je voudrais bien les tuer au couteau, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est hyper long, et qu'ils sont assez résistants les ennemis en général, donc c'est quoi? Je crois qu'il y a une sauvegarde juste à gauche là, si je me souviens bien. Donc on va clean la zone. Merde, il est encore en vie. Chier. Allez, espérons que ça suffise. Oh, de la vie. Ah, ça fait du bien. Oui, je veux l'herbe verte. Et là, normalement, il y a un truc, là. Une safe house. On sera à l'abri et on pourra sauvegarder. Enfin, normalement, hein, si je me souviens bien. C'est là qu'il y a un zombie. Ok. A priori, c'est clean. Et il y a des trucs de... Qu'est-ce que c'est que ça? Le fusil cassé. Ah, voilà, ça servira à ça en fait. Bon, je vais prendre, il ne sert plus à rien maintenant. Hein. Des outils de jardinage, rien d'utile. Ok. Bon, en gros, je vous explique. Normalement, le fusil là, ce qu'il fallait faire, c'est prendre le fusil. Ouais, il y a des chargeurs dedans. Wouhou! En fait, il faut prendre en fait le. Comment dire ça? Le fusil cassé et le mettre dans le. À la place du shotgun. Comme ça, la plateforme ne va pas descendre, quoi, vous voyez. Donc, attendez, je vais combiner... Non, je vais prendre le chargeur. Oh, on n'a que deux, merde. C'est toujours mieux que rien, hein. Voilà. L'herbe, qu'est-ce que je fais? Je crois que je vais l'utiliser, l'herbe. Attendez. Herbe utilisée, merci.
Ça, je vais combiner à ça. Voilà. Et je vais prendre le dernier chargeur et je vais mettre le fusil cassette. Ah non, j'ai jamais le fusil cassette dedans. Bon, bah, je récupère le dernier chargeur quand même. Voilà. Par contre, je sais pas si ça se cumule avec. Ok, si c'est bon. Et je vais sauvegarder. Allez. Bon, ben voilà, on a fait quand même une minute de jeu là. On a fait. Ouais, 30 bonnes minutes presque. Hein. Donc, allez, on va sauvegarder. Et je vous dis donc, ben. À dans 2 jours pour la prochaine partie. Ciao!